Encore une vidéo difficile à tourner. On est plus à ça près. Aujourd'hui, c'est... Oh, j'ai une deuxième flemme. Oh, je suis vraiment fatigué, désolé. Là, on arrive à la conclusion de ce défi, si je puis dire, de 30 jours pour devenir un auteur. Ouais, je vais tâcher de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé pour en arriver là, les changements à prévoir par rapport à la chaîne et tout ce qui s'en suit. Bon, alors pour commencer, on va rappeler quelques éléments de contexte. J'ai commencé à me lancer en tant qu'auteur au début comme scénariste, notamment dans la web série Fluff qui est encore trouvable sur YouTube. Malgré les problèmes de droit d'auteur, elle est toujours disponible. C'était les 6 premiers épisodes qu'on avait tourné et monté. Et à la base, l'idée c'était de rapidement écrire une fiction entre amis sans trop se prendre la tête. Bon, bah, moralité, on s'est tellement pris la tête qu'on a arrêté au moment de tourner les épisodes 7, 8 à 9. Et comme je trouvais qu'il y avait beaucoup de potentiel, j'avais décidé de mettre ça par écrit pour en faire un roman. Et je nourrissais déjà l'idée d'écrire des romans depuis tout petit, en réalité, depuis l'âge de, je sais plus, 7 ou 8 ans. Et j'avais laissé ça de côté pendant toute mon adolescence. Et là, bah, j'avais écrit mon premier jet à l'époque, Fluff tome 1, bêta test. Qui est en cours de réécriture en ce moment, mais la flemme. Et on va voir que la flemme est un des éléments majeurs qui m'a poussé à ne pas publier pendant toutes ces années. Puis entre-temps, j'ai commencé à animer une web-émission humoristique, parodique, de critique de films, qui s'appelait Les Gawa, qui est devenu aussi un roman, mais alors pas parce que je ne voulais plus tourner avec les copains, mais parce que à la base c'était pour faire un cadeau d'anniversaire. Donc j'avais juste écrit une petite histoire sur le personnage de Carnage, dit l'enfant du dragon raté, qui est un clin d'œil pas très subtil à un certain jeu vidéo. Et bah ça avait plu, du moins dans mon cercle, dans mon petit cercle, ça avait plu. Et au fur et à mesure, je me suis dit, bon, il va peut-être falloir que j'en fasse quelque chose de plus sérieux. Donc j'ai commencé à imaginer une suite. Et en même temps que je n'avais plus autant d'énergie à tourner avec les amis, parce que les aléas de la vie, surtout professionnels à ce moment-là, faisaient qu'on n'arrivait plus trop à se retrouver tous ensemble pour tourner, bah, j'ai préféré encore repartir sur une version littéraire de cette histoire. Donc je me suis retrouvé avec deux sagas, à écrire le premier tome, en l'occurrence, des deux sagas, sans pour autant arriver à toucher au but. Parce qu'au départ, évidemment, je pensais à me faire publier chez un éditeur. Mais outre les non-réponses très nombreuses, non, il y a eu une seule réponse qui m'a disait que c'était pas assez mûr, et c'est vrai, c'était pas assez mûr, parce que je me suis relu quelques années plus tard, je me suis dit, mais quelle catastrophe c'est un débile mental qui essaye de se faire publier, mais c'est qui là? J'ai décidé de remanier le texte, en même temps que j'avais la flemme, plus jeux vidéo, séries télé, etc. Et de fil en aiguille, je me suis dit, bon, en fait, le problème, c'est que j'ai commencé à écrire une saga. Deux sagas. Donc je vais plutôt opérer un changement drastique. Là, on est en 2020. Je vais écrire un roman en one shot, c'est-à-dire... Enfin, pas en one shot, mais un one shot. Donc, en l'occurrence, un roman avec un début, un milieu, une fin, qui ne s'inscrit pas dans une saga. Bon, il s'inscrit dans l'univers d'une saga. Mais on peut le lire tout seul sans avoir besoin de connaître tous les petits détails, tous les événements passés, présents ou futurs de la saga en question. Là est né le roman Le Passeur, que j'écris en 2020, dans un défi qui consistait à écrire un roman tous les mois. J'avais 4 mois et je m'étais donné un mois et demi, quelque chose comme ça, pour Le Passeur.
Puis je devais finir Fluff, tome 1, et les Gawa, tome 1, qui s'apprête à sortir d'ailleurs. Autant dire que niveau timing, ça n'a pas du tout donné les effets attendus. En revanche, j'ai pu écrire le roman du passeur en l'espace de 4 mois. Et ça, c'était déjà une sacrée réussite. Donc même si le défi était impossible sur le plan théorique comme pratique à réussir, bah, ça m'a permis d'écrire un roman en l'espace de 4 mois. Et d'ailleurs, c'est le roman que je considère encore aujourd'hui le plus abouti, le plus réussi jusque-là, le plus mature, le plus mûr, le plus réfléchi. Donc j'ai hâte de vous le proposer, mais en attendant, je m'étais dit, comme premier roman, ce serait bien de rester sur la période où j'étais un peu moins mature, où c'était un peu plus débile. Et je me suis dit, aussi pour le public, ça aidera peut-être à se lancer dans mes pérégrinations en tant qu'auteur, que de démarrer par une histoire assez légère, assez souple et sans trop de prise de tête. Donc j'ai décidé de me focaliser là, entre 2022 et 2023, on arrive à fin 2023, à publier le premier tome des Gawa. Gawa qui est une série d'aventures humoristiques aussi, même beaucoup dans les débuts. Donc voilà l'état d'esprit dans lequel j'étais. Dans le même temps, j'ai l'ami Giovanni qui m'a recontacté pour qu'on travaille ensemble de nouveau, parce qu'on n'a jamais vraiment réussi à se coordonner jusqu'au bout dans un seul projet. Il y a eu pas mal de projets avortés, des tentatives qui n'ont malheureusement pas donné suite. Et là, on s'était mis à fond dans l'idée de créer une chaîne YouTube à deux auteurs pour maximiser le contenu, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Lui, il est orienté horreur, dark fantasy, disons. Et moi, c'est plutôt humour, humour fantastique, fantasy aussi, mais plus fantastique. Bref, il n'y a pas le côté horreur chez moi, même s'il viendra à un moment ou un autre, mais c'est pas aussi ancré que chez Giovanni. Au moment de commencer les tournages, il y a eu scission, ça n'a pas fonctionné malheureusement. J'ai dû me débrouiller avec ça. À l'origine, le défi consistait à publier des vidéos tous les jours, mais aussi à les tourner tous les jours sur 30 jours. Bon, avec le fait que j'ai aussi des aléas personnels et surtout professionnels, j'ai au mieux l'équivalent de 30 minutes à 1 heure pour moi tous les jours pour travailler tout ça, que je vais réaménager bientôt pour pouvoir me remettre à l'écriture parce que ça commence à tarder. Mais tout ça pour dire que ça a été assez compliqué de se remettre dans le bain. Donc j'ai commencé à tourner un petit peu sans aucun plan en tête. Ça a pu se voir dans les premières vidéos et même jusque récemment. Les vidéos suivent une sorte de logique qui mène d'abord par la partie théorique. Comment raconter des histoires, le travail en équipe, je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre. Oui, la structure narrative, des bazounettes théoriques sur lesquelles je pouvais y aller en freestyle pendant des dizaines de minutes. Puis progressivement, j'ai commencé à parler des vrais sujets, notamment la dramaturgie de Yves Lavandier qui m'a particulièrement marqué. Non pas parce que ça m'a permis de voir les choses d'un œil nouveau, mais surtout parce que ça a permis de mettre des mots sur des choses que théoriquement je savais déjà et que je pense que vous aussi vous savez déjà, parce que la dramaturgie en réalité vous la trouvez partout aujourd'hui, vous la trouvez dans les films, séries télé, jeux vidéo, même télévision, partout. C'est l'art de susciter l'attention du spectateur, quel qu'il soit, par les histoires que vous racontez, par la manière dont vous y prenez. Il y a tellement de choses à en dire que je pourrais en parler pendant des heures. Mais bon, malheureusement, je n'ai pas ce niveau-là pour en parler pendant des heures, et ce serait pas très intéressant d'écouter quelqu'un partir dans tous les sens pendant des heures. Et puis pour finir, je dirais que les 10 dernières vidéos sont particulièrement ancrées dans ma réalité à moi, personnelle. En l'occurrence, la publication de mon roman. J'ai beau avoir passé le temps nécessaire à apprendre une partie du métier d'éditeur, quelque part, parce que c'est ça. Ça a beau être très simplifié
de publier sur Amazon KDP. Alors, c'est pas moins un exercice assez fatigant, notamment pour la couverture et le dimensionnement qui m'ont fait péter les plombs pendant au moins une centaine d'heures. Au moins une centaine d'heures passées à modifier des détails, à envoyer les épreuves, à attendre une semaine et demie que le machin arrive, en croisant les doigts qu'il n'y ait pas de défaut. Et quand ça arrive et que je vois tous les défauts, bah, au bout d'un moment, je pète les plombs. Aujourd'hui, je fête, comme vous avez pu le voir en début de vidéo, la publication officielle. Ça y est, j'ai activé la publication. Il reste 2-3 détails encore à régler, notamment la page auteur pour faire la publicité comme il faut. Mais c'est bon, le roman est maintenant disponible. Ça n'a pas été une mince affaire de sortir toutes ces vidéos. J'ai bien fait de m'y prendre en avance parce que j'ai commencé le tournage le 14 août, je crois bien. On était encore en plein été, c'était les vacances, c'était beaucoup plus facile. Bon, par contre, passé, je sais plus, la 16e ou 17e vidéo, je crois, il y a eu un mois complet d'arrêt parce que je suis tombé malade. Les vidéos sortent tous les jours d'une manière bien régulière parce que je les ai préparées à l'avance et parce que j'ai fait un petit montage assez sympathique pour essayer de vous rendre ça plus digeste. Il faut savoir que ces vidéos-là, je les ai tournées dès que j'avais un moment de libre et il n'y en a pas eu tant que ça, des moments de libre. Ces derniers mois. Donc j'ai fait ce que j'ai pu et bah, j'espère que ça vous aura plu, mine de rien, ce petit changement. Vous voyez, ce petit changement de volonté de produire un contenu un petit peu plus sérieux sur la chaîne. Parce que mine de rien, bon. Faire des gamineries tous les X temps, ça va bien 5 minutes. J'ai une chaîne de, je sais plus, 1500 abonnés ou quelque chose comme ça. Et bah, je la tiens depuis 2008-2009. C'est très très vieille cette chaîne sur laquelle je publie. Et il n'y a jamais eu le moindre concept stable qui tenait la route sur la longueur. Et je me suis demandé ces 2-3 dernières années, quand je publiais plus rien, bon, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre sur cette chaîne. Et comme avec l'ami Giovanni, on avait prévu de créer une chaîne ensemble et que ça n'a pas pu se faire parce que, voilà, dissension égale dissolution. Ouais, pas mal ça, ouais. Eh ben, je me suis dit, tiens, on va se rabattre sur la chaîne principale et on va juste arrêter de faire le guignol. Du moins, on va arrêter de faire juste le guignol, parce que les conneries, j'aime bien ça, quand même, hein. Faut savoir se faire plaisir. Là, j'aime bien parce que, en fait, je viens de regarder, j'ai été plus rapide que mes notes. But de rechercher, pousser la parution, ouais, ça a été dit. Reprendre les vidéos, ça a été dit. Mûrir le contenu, ça a été dit. Faire un défi par la promo. Oula, toi par contre tu sais pas écrire mon gars, faire un défi par la promo, ça veut dire quoi ça? Bah oui, bah en gros, le défi des 30 jours, 30 jours de publication de vidéos en continu, déjà pour l'algorithme, parce qu'apparemment l'algorithme YouTube est con comme un algorithme. Du coup, il faut sortir des vidéos très très régulièrement, constamment, machin. Même si je dis caca prout pendant 5 minutes, au moins ce sera du contenu, donc il faut faire du contenu. Maintenant aussi, comme j'ai jamais trop parlé en vidéo d'écriture, à part le défi, oui, je fais beaucoup de défis, je fais pas beaucoup de réussite, mais beaucoup de défis. La seule période où je parlais vraiment d'écriture sur ma chaîne, c'était la période des défis 30 jours. D'ailleurs, les vidéos, je les ai mises en non répertorié parce que bon, sont plus trop. Je veux dire, c'est un amas de vidéos dont les 2/3, c'était juste pour dire j'ai pas eu le temps, j'étais trop fatigué, donc j'écris quelques mots aujourd'hui, donc voilà. Mais bon, le résultat était là, quoi, c'est que finalement, ça a marché. J'ai pu écrire un roman dans son premier jet en l'espace de 4 mois. Pas mal. Mais là, en l'occurrence, le défi, c'était plus de pousser
ma flémingite pour publier officiellement et pour de bon cette fois. Parce que j'en avais vraiment marre, ça va faire 9 ans que j'écris et rien qui sort officiellement. Donc là, on y arrive enfin. Ça y est, le roman est publié, donc c'est bon. But recherché, but avoué, but accompli. Alors, constat. Ah ouais, là, j'en ai plus rien à foutre. Hein. Ça y est, je suis sorti du personnage, t'as pu le remarquer, hein. Donc là, vous avez à nouveau le Christian Connard, l'officiel, le vrai, l'authentique. Alors, les constats. Échec de la vidéo tournée tous les jours. Ah bah oui, c'est ce que je viens de dire. Quand t'as une vie bien remplie, t'as pas trop le temps de tourner tous les jours. Je vous avoue tout. C'est la vidéo, on se fout à poil. Non, t'inquiète, pas littéralement, tout va bien. Il y a eu des journées comme ça, surtout au début, où j'ai pu tourner 2 ou 3 vidéos d'un coup. Parce que je savais justement que j'allais pas réussir à tourner tous les jours, mais je m'étais dit, au bout du bout, il faut qu'en 30 jours, j'ai fini de tourner les 30 vidéos. Même ça n'a pas marché, parce que j'ai passé presque 3 mois à le faire. Souci avec la couverture et l'épreuve, j'en parlais tout à l'heure. Ça a été une catastrophe, la couverture. Alors, pas la couverture en elle-même, parce qu'elle est magnifique. C'était du bon boulot, ça a été fait très rapidement. Les consignes que j'avais données à l'illustrateur Manuel, que je salue au passage, ont été parfaitement respectées. Il m'a même poussé un petit peu à rajouter des petits détails... par-ci, par-là, que seuls les esprits les plus aguerris pourront remarquer sur la couverture. Moi, j'ai insisté derrière pour qu'il me fasse une police d'écriture bien particulière pour le titre. Tout a été respecté, c'est juste que c'est mon premier roman, ma première parution, et que quand bien même Amazon te décrit les dimensions que tu dois respecter pour ta couverture en fonction des détails que tu mets dedans, c'est très 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 hasardeux au début, hein. Je vous conseille de... Non, je vous conseille de boire de l'alcool, peut-être pas à ce point-là, mais je vous conseille de vous armer de patience. Voilà, le jour où vous y mettrez pour de bon et que vous voudrez faire votre couverture. Le mieux, c'est d'avoir un illustrateur ou quelqu'un qui gère ça de A à Z. Là, en l'occurrence, j'avais un illustrateur, mais c'était pas son boulot de rendre ça prêt pour la publication. Galère à publier, même avec le tapis rouge. Bah, c'est ce que je viens de dire, oui. C'était une vraie aventure, Amazon. C'était une vraie aventure, et maintenant que je commence un petit peu à comprendre comment ça fonctionne, j'ai envie d'y rester, hein, parce que au moins c'est facile. Et comme j'ai pas la prétention de vivre de mes écrits, du moins pas avant très 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 longtemps, ça me va très bien, quoi, voilà. J'ai ma petite activité d'esclave, de personne qui travaille dans la société. Et à côté de ça, je suis auteur, il n'y a pas de problème. Bon, vidéaste, je l'étais déjà avant. Et peut-être que c'est moi qui radote et qui pense tout savoir, alors qu'en fait, pas du tout, pas du tout. Faut se remettre en question, toujours. C'est très important. Bon, sauf quand on est un gentil. Alors, conclusion, bilan des 30 jours. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis censé préparer ma pub avec des mots bien choisis, mais qu'est-ce que je pourrais dire vraiment pertinent? Ah si! Ah bah si! Eh! Ça va être Noël! C'est Noël! Bien, encore mieux! Achetez mon roman! En fait, depuis tout à l'heure, je réfléchis à qu'est-ce que je pourrais dire vraiment de pertinent. Parce qu'en fait, quand je suis dans le personnage, ça va beaucoup mieux pour sortir des trucs un peu... font réfléchir. Bah, allez, voilà, je peux dire ça, sur les 30 jours, enfin, sur les vidéos qui ont été faites, il y en a quand même beaucoup qui m'ont plu. Il y en a quand même beaucoup qui m'ont plu, notamment celle sur le JDR. Il m'a marqué. Il m'a marqué, le jeu de rôle. J'ai vraiment trouvé très intéressant dans sa manière de concevoir les histoires. En fait, c'est plus une sorte de jeu d'acteur, de pièce de théâtre, que de jeux avec des règles bien strictes, bien sévères. Le but étant vraiment d'incarner un rôle de manière très arcadique, arcadesque, arcade. Et étant donné que j'ai passé des années, enfin il y a des années, j'ai passé beaucoup de temps à faire du jeu de rôle
dans des soirées qui prenaient entre 6 et 8 heures avec des pizzas décongelées et d'autres saloperies. Bah, ça me fait plaisir de penser enfin d'avoir enfin un outil entre les mains pour faire du jeu de rôle, mais de manière beaucoup plus rapide, fluide, et sans se casser la tête à penser social. Sans se casser la tête à devoir ramasser 3 ou 4 personnes pour faire les parties, parce que il a été dit que le jeu de rôle c'est toujours à 4 ou 5 personnes. Bah non, le jeu de rôle ça peut être aussi du 1 contre 1. C'est sympa, j'aime bien 1 contre 1. Il y a eu d'autres vidéos de réflexion qui ont été, je pense, assez perturbantes pour certains d'entre vous. Mais bon, c'est pas grave, j'assume, c'était rigolo à faire. Mine de rien, il y a des messages à en retirer quand même. Maintenant, étant donné que je suis quelqu'un d'assez chaotique dans ma manière de m'exprimer, et vous allez vous débrouiller avec ça. Hein. Je vais pas m'improviser orateur pour les 2-3 du fond qui veulent que ce soit bien calibré. Voilà. Donc le basculement de la chaîne vers un contenu plus adulte, plus mature et surtout plus littéraire, je pense qu'il a été opéré au bout de 29 vidéos. La prochaine vidéo, bah, la dernière, hein, vous en doutez, ce sera la présentation du livre, avec une véritable copie du livre entre les mains. Dernière version des épreuves, c'est la quatrième. Tout est parfait, à part que mon personnage est trop Michael Jacksonisé. Alors ouais, aujourd'hui on a le droit de le dire ça, quand une personne est trop blanche, on a le droit de... c'est pas du racisme. Mais du coup, il est trop Michael Jacksonisé, donc faut que je le noircisse un peu. Ouais, je vais avoir des problèmes. En gros, il faut qu'il ait une teinte à peu près normale. Ouais, c'est vrai qu'on n'a plus le droit de rien dire aujourd'hui. Bon, allez vous faire enculer, ça ira bien. Donc, encore un petit détail de marge ici à régler. Ah, il y avait un tiret qui m'a énervé au tout début. À chaque fois que je montre mes épreuves à quelqu'un, ça a tendance à le faire marrer parce qu'il dit « Ouais, t'es trop tatillon, mais... » Je jure qu'il y a encore plein de fautes que je n'ai pas encore remarquées et que ça va me faire péter les plombs quand le roman va sortir. C'est obligé. J'ai vu des auteurs sur YouTube qui ont raconté ça. Et c'est des vidéos qui m'ont particulièrement touché, marqué, parce que je suis persuadé que je vais vivre exactement la même chose. C'est-à-dire, ouais, allez, c'est bon, je suis passé par l'outil Antidote ou je ne sais pas quoi, puis je publie mon roman, et puis, oh, je me rends compte que c'est de la merde et que faut que je refasse toute la mise en page. Bon, j'ai pas été bête à ce point-là, j'ai quand même regardé bien où étaient les fautes, mais il y en a certainement encore plein, Et c'est pas prêt d'être corrigé. Mais au moins, on approche de la fin. Il est temps de rendre ça disponible au public. Là, voilà, il restait une petite bordure ici à corriger pour que ce soit vraiment parfait. 2-3 mots au début, là, comme je disais, des caractères. Et c'est tout. Il est prêt, il est bon, il sent le papier de Pologne. Ouais, parce que c'est imprimé en Pologne. Donc, coucou la famille de la Pologne. Merci de me permettre de devenir auteur. Juste, s'il y a une petite dizaine de personnes déjà qui se permet d'acheter et surtout de commenter hein, sur Amazon pour donner un petit avis, quelque chose, ça me fera plaisir. Comme ça, on pourra passer à la suite. Moi, de toute façon... J'avais prévu de sortir 3 romans cette année, bon, un c'est déjà bien, voilà, hein, l'ironie comme d'habitude, hein. Écrit par un gamin de 22 ans, je le rappelle, bon j'en ai 10 de plus bientôt, j'en ai 9 de plus, voilà, mais ça a quand même été écrit par un gamin de 22 ans, donc faut pas vous attendre à de l'histoire intellectuellement incroyable. Mais ça se lit bien, c'est un bon petit roman. Je l'ai relu moi-même depuis et je l'ai trouvé très sympa. Voilà. Donc, faites-vous plaisir. Alors, pour 2024, on suit le programme prévu dès le début, hein, c'est-à-dire les 3 premiers romans qui doivent sortir.
Les Gawa tome 1, Fluff tome 1, Le Passeur. Donc je pense que je vais commencer par Le Passeur, avant Fluff, parce que de toute façon, Fluff, il y a encore trop de boulot dessus. Donc en début d'année, en fonction des moyens que je pourrais mettre dans la couverture, allez, jusqu'au mois d'avril-mai, je pense travailler sur Le Passeur justement pour le publier, une fois pour toutes. Ensuite, je vais passer le reste de l'année à finir Fluff et à préparer le tome 2 des Gawa. Tome 2 qui a déjà été écrit en partie il y a des années, mais c'était uniquement les 5 ou 6 premiers chapitres, je crois. Il va falloir que je repasse dessus, bien entendu. Et conjointement, justement, comme je dis, publier Fluff. Donc, il faut s'attendre à la publication de 2 romans et à l'écriture, au moins le commencement de l'écriture d'un troisième roman. Voilà, tout ce que je peux dire. En attendant, sur la chaîne principale, je vais publier de plus en plus de vidéos du style de celles que vous avez vues au cours de ces 30 journées passées ensemble, pour le meilleur comme pour le pire, avec toutes sortes de sujets. Je m'interdis rien, je vais même peut-être faire des sketchs à l'ancienne, des trucs un peu cons par-ci par-là, mais avec la volonté d'être un peu plus subtil et d'être un peu plus mature, voilà. Ce qui n'est pas chose aisée, et gagner d'avance quand on connaît le personnage. Je parle de ma gueule, bien entendu. Ouais. Bon allez, je pense que cette vidéo était assez longue comme ça, hein. C'est pas que j'aime m'écouter parler, mais après ça, il y a la table de montage, et je ne supporte pas de passer du temps sur la table de montage. Donc, on va y aller, hein. Voilà. Je vous dis à tantôt pour de nouvelles aventures. Bah, à demain, du coup, pour la présentation officielle de mon livre. Le tout premier, le first, le feu de Prométhée. Oh, j'ai dit le first. Mais quel terme de fils de pute. Et dans le doute, si ça vous a pas plu, vous pouvez vous en servir comme dessous de table ou comme repose verre à bière. Il y a plein d'utilisations pour ce genre de bel outil. Allez, c'est bon. J'en ai fini avec la promo de merde. Cassé.